Bonjour à tous, on est parti faire un petit tour du jardin. Vous voyez le maïs derrière moi, il est balèze. Vous voyez, il est en stade de floraison. Bon, pas tous. C'est pour m'amuser, hein, ce maïs. Après, les méga trombolino. Alors là, il s'éclate. Il s'éclate, les fruits, ben, ça forme. Ah, il y en a un là, je découvre en même temps que vous. Celui-là, il a eu chaud, il faudra qu'on le ramasse. Et là, je vous rappelle, il y a deux pieds. Vous voyez un peu le monstre. Là, il y a des scaroles qui sont en train de fleurir. C'est des semis spontanés. Elles se ressèment toutes seules. Là, les haricots commencent à avoir chaud. Ceux-là, il y a eu je sais pas combien de récoltes, comme j'étais pas là. Après les côtes de blettes, je suis content. On va pouvoir en ramasser. Les carottes, le semis de fin début mai, ouais. Ça pousse. Dans la serre, elles sont sûrement bonnes, meilleures à manger. Là, les carottes, là où j'avais fait le petit tuto. Bon, ça a été un peu galère au moment où je les ai semées. Vous voyez, il y a deux stades. Celles-là sont nées juste après l'orage, tandis que celles-là sont nées grâce à mon arrosage. Et je suis assez content quand même. Il y a le nombre de pieds. Là, les limaces ont laissé tranquille tout ça. Là, un petit marron. Alors là, il fait environ 5 mètres de long. C'est un seul pied aussi. Là, dans ce grand jardin, on voit que là, il y a de l'eau. Oh, et on a encore un autre. Là, cette année, c'est pas mal. Alors, le second semis de haricots. Lui, on voit qu'il a eu, avec les chaleurs, il sera moins productif que les trois autres rangs là-bas. Pour espérer avoir de l'eau quand même dans une dizaine de jours pour ceux qui sont en pleine fleur. Même que la terre là est quand même meilleure, c'est du limon ici dans le deuxième jardin. Mais avec ces grosses chaleurs, c'est inquiétant quand même. Alors les petites olivettes, c'est pas mal. Ah bah vous voyez, là c'est le dernière plantation. On commence à rougir. Là j'ai rien fait. Hein. J'avais vu qu'on pouvait les tailler. Je les ai laissés pousser comme elles sont. Des petites aubergines. Mais attention, il y a des piquants. On en a ramassé déjà pas mal. Vous voyez, elles sont pas mal. C'est des balurois, c'est des hybrides celles-là. Elles sont pas mal. Autant qu'on en ramasse, elles vont assez vite. Alors les pommes de terre. Ben, il reste plus que deux rangs. Si vous m'avez suivi sur Instagram, vous avez vu le résultat de cette longée. Là, il y avait deux rangs. J'ai ramassé 25 kilos. Plutôt satisfait parce que c'est mes propres plants, ceux-là. Je les avais pas achetés. J'avais récupéré des petits bulbes, si vous
Souvenez pas, je vous mettrai un petit lien quand je vous présentais mes petits bulbes en cagette, ils étaient gros comme ça là. Et ben c'est satisfaisant pour l'année. Les betteraves pour les lapins. Là c'est encore des scaroles qui sont nées toutes seules. Là je sais plus ce que c'est comme salade. C'est rené aussi spontanément. Voilà, avec la chaleur, ben, les fleurs de dahlia sont un peu moins belles qu'elles étaient. Un peu moins belles. Mais bon. Dans l'ensemble, on voit quand même que cette semaine, ça a fait chaud. Là, c'est la forêt. Ah, j'en ai encore un, je pensais l'avoir perdu. Les petits pompons. Là, ceux-là, les violets. C'est pire que du chien, non, ceux-là, ils se reproduisent assez vite. Vous voyez que le trombolino. Là, il y a deux pieds. Ça va jusqu'à là-bas. Comme je vous avais dit, lui il va se rayer un chemin, il va aller. Oh, il va aller se balader là-dedans. C'est pas mal, hein. To the sun, which tries to blind our eyes. Oh, we're dancing forever under the beautiful skies. Somewhere over the ocean, a spark just to ignite. I'm stuck in my hometown, waiting for your reply. Darkness, there's no sound, only silence. You could change everything tonight. This is your chance to do something right. Photos that remain, still lost in oblivion, no one to show the way. Oh, climbing a mountain to reach my highest goals. You'll never understand how I saw you. Darkness, there's no sound, only silence. You could change everything tonight. This is your chance to do something right. Bah moi je vais vous souhaiter une bonne journée. À bientôt.